Et juste pour vous donner un petit aperçu, parce que c'est vrai que le classement mondial n'a pas grande importance, mais c'est quand même bien de signifier que Léa Serna se retrouve et 39e mondial. Ça veut dire que sur la planète, il n'y a que 38 patineuses qui sont meilleures qu'elle. Aujourd'hui. Aujourd'hui. I don't wanna fight it. This fever burning up inside. Oh, I don't wanna mourn. I don't wanna cry for what is lost. Nothing's gonna hold me down. Nothing's gonna stop me now. There's no price I wouldn't pay. No. Léa Serna, donc, la triple tenante du titre qui en vient de terminer avec son programme court, avec un double axel et un triple flip qui est passé deux fois. Peut-être que le deuxième était un peu plus compliqué, un peu plus délicat. Un peu plus délicat, une combinaison triple flip qui avait bien commencé. On l'a senti peut-être un petit peu moins à l'aise la technique que d'habitude, mais pour autant, ça devrait vraiment monter sur l'impression artistique. On a vraiment une Léa qui a dégagé... beaucoup d'émotions, qui est resté dans ses attitudes, qui a les pas artistiquement très 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 bien. Ça devrait vraiment monter très très haut sur cette note. Voilà, un double axel bien exécuté avec un petit peu de fragilité à la sortie. Ici le triple flip en combinaison, double bloqué piqué. Le nombre de tours était là sur les pirouettes et artistiquement très en place. Voilà, le deuxième flip, un petit peu difficile à la réception. Peut-être ici sur la technique une différence avec la concurrente précédente. Très belle pirouette, pied dans la main, la combinaison. Plus d'expérience sur l'artistique et peut-être un petit peu de fragilité sur la technique aujourd'hui. Oui, peut-être. Et puis elle sait que derrière, il y a Laurine qui est derrière, qui est là pour aller lui shipper ce titre qu'elle a remporté à l'occasion des trois derniers championnats de France. Ici à Volgiani, ensuite à Cergy et à Rouen l'année dernière. Je rappelle que c'est la quatrième fois que les championnats de France se disputent sur cette glace, dans cette patinoire de Volgiani. La note...
pour Léa Serna. Alors que Lauren Shield est prête à s'élancer. Léa Serna, on attend sa note. Mais dès que je remonte en montagne, je me... Mais je, comme je pense que j'ai ri, ça fait longtemps, j'ai plus rien. Je me sens pas bien. Ah bon, c'est le souffle qui est un petit peu... Les notes. Et oui. Ah oui, 59-65. Et oui. Et oui. Ah oui, ça c'est une grosse déception. Peut-être elle paye un manque de fraîcheur physique dû à l'altitude. C'est ce que j'ai l'impression que sa coach et elle se disent.